Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exporter une discussion WhatsApp sur votre ordinateur à partir de votre iPhone. Alors, pour ce faire, on va utiliser trois méthodes. D'abord avec email, ensuite avec deux applications de la marque TenorShare que je vais vous montrer juste après. Mais on va commencer directement par la première méthode. Alors, pour la première méthode, vous allez vous rendre sur WhatsApp dans une conversation. Ensuite, vous devez cliquer sur le nom du contact et descendre tout en bas jusque quand vous retrouvez Exporter Discussion. Vous cliquez dessus et il vous propose plein d'options d'exportation. Vous allez sur votre boîte mail et ensuite il suffit juste le, de marquer l'adresse email à qui vous voulez l'envoyer. Par exemple, ici, Discussion WhatsApp. Et ensuite, vous appuyez sur envoyer. Et voilà, votre message a été envoyé. Et donc, une fois sur PC pour pouvoir récupérer euh, votre euh, email avec la discussion WhatsApp, vous devez juste aller vous connecter sur votre boîte email avec qui euh, vous avez envoyé votre message. Et ensuite, moi, il est ici par exemple. Et vous devez cliquer dessus. Vous allez avoir ici la discussion WhatsApp que vous devez télécharger. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer dessus. Et ici, vous avez la discussion qui est directement mise juste ici. Et vous pouvez cliquer dessus. Et vous allez voir la discussion. Ensuite, vous irez dans le lien qui se trouve en description pour aller télécharger ce logiciel, le logiciel de chez Tenorshare UltData. Vous faites ici free trial, vous le téléchargez et vous l'installez. Et ensuite, vous l'ouvrez sur votre bureau. Alors une fois qu'il est installé, voici comment il se présente, il est sur le bureau et on va pouvoir l'ouvrir. Alors une fois que vous l'avez ouvert, voici comment il se présente, il y a plusieurs euh, sections. Vous voyez ici, récupérer depuis appareil iOS permet de retrouver plus de 35 plus de sortes de données depuis votre iDevice tel que SMS, contact, photo, WhatsApp, etc. Donc pour ce faire, vous allez directement dans la section qui nous concerne, donc récupérer depuis appareil iOS, vous cliquez dessus, et ensuite vous devez tout simplement connecter votre téléphone à votre ordinateur avec le câble de rechargement, et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors une fois que vous avez connecté directement euh, le téléphone, ça va vous apparaître une euh, case comme celle-ci avec pas mal de choses que vous pouvez récupérer. Moi je vais tout désélectionner ici, vu que dans ce tutoriel on va simplement se consacrer à la récupération de données sur WhatsApp. Et du coup je peux désactiver tout. Hop, ce que je n'ai pas besoin. Vous voyez qu'ici j'ai WhatsApp et pièces jointes. Voilà. Et on va faire analyser. Donc là, il y a le temps de chargement qui va analyser tout ce que vous avez supprimé. Tout ce qu'il y a en mémoire sur votre iPhone euh, que vous avez supprimé sur WhatsApp. Et donc on va laisser faire l'analyse et on va se reprendre juste après. Vous voyez que là, ça analyse concrètement les messages WhatsApp et ainsi que les pièces jointes. Donc les photos et les vidéos que vous avez envoyées ou reçues sur votre compte. Alors voilà, le logiciel a fini d'analyser ce qu'il y avait sur votre WhatsApp. Du coup, on se retrouve sur cette interface-ci. J'ai flouté exprès pour pas que vous voyiez mes données, mais normalement, vous pouvez ici cocher sur ce que vous voulez pour pouvoir récupérer la conversation. Vous pouvez également cocher tout simplement les pièces jointes, ou tout simplement les deux, ou également directement cliquer ici pour tout sélectionner et tout récupérer. Moi, je vais le faire avec une seule conversation, la première, vous la cochez, et ensuite ici, vers le bas, vous faites récupérer vers PC. Vous allez mettre vers le bureau. Et vous faites OK. Directement, vous allez avoir un message récupéré avec succès. Et vous n'avez plus qu'à faire OK. Et directement, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec ici le euh, nom et le dossier avec le message WhatsApp. Donc les messages que vous avez récupérés et tout ce qu'il y a besoin à récupérer. Tout ce qu'il y avait dans votre conversation qui se trouve directement ici même. Ensuite, pour la troisième et dernière méthode, vous voyez ici, vous allez encore une fois sur le site que je vous mettrai en description et vous allez télécharger le logiciel ici qui s'appelle iCareFone for WhatsApp Transfer. Donc, vous faites ici free download, vous téléchargez ce logiciel et ensuite vous l'installez et vous allez pouvoir l'ouvrir sur votre bureau. Donc une fois que vous avez ouvert le logiciel, il se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez pas mal de fonctionnalités, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est WhatsApp. Donc vous allez cliquer dessus. Ensuite, vous allez avoir pas mal de choses qui vous sont disponibles. Donc transférer, sauvegarder et afficher et restaurer. Nous, dans ce tutoriel, on a besoin de sauvegarder, donc on va aller juste ici. Donc ensuite, vous allez devoir connecter votre téléphone à votre ordinateur grâce au câble de recharge. Une fois que c'est fait, l'appareil va être reconnu et vous pouvez faire sauvegarder maintenant. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez avoir une barre de chargement comme celle-ci, sauvegarde des données de votre téléphone, ne déconnectez pas l'appareil et la barre va avancer petit à petit le temps qu'elle sauvegarde tout ce qu'il y a complètement sur votre compte WhatsApp. Donc que ce soit les photos, les vidéos, les messages, etc. Donc voilà, le chargement continue, on est bientôt à la fin. Ici on est à 81% et on se retrouve une fois qu'on est à 100%. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez ce message, sauvegarde terminée, et vous pouvez faire ici afficher. Et donc, une fois que c'est fait, vous avez les discussions qui sont sur votre euh, PC. Vous voyez qu'il y a tous les messages que vous avez. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur une des euh, conversations et vous pouvez faire ici exporter vers ordinateur. Donc, bien sûr, juste avant de faire exporter, vous devez sélectionner la conversation et ensuite vous faites exporter vers ordinateur. Vous choisissez l'endroit où vous souhaitez mettre votre, euh, votre conversation, donc par ici, par exemple bureau, et vous faites OK. Et une fois que c'est fait, l'exportation est terminée et vous voyez ici un fichier s'ouvre et c'est tout simplement ici vos messages. Donc voilà, ici vous pouvez quitter et vous avez ici hop l'exportation de votre message et de vos conversations directement sur votre bureau et que vous pouvez directement aller voir ici. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve pour de prochains tutoriels. Ciao!